Bon voilà, c'est mon tour de passer au Secret Shop. Évidemment, j'ai triché un peu grâce au badge press. Donc les gens vont me détester parce qu'ils attendent 3 heures et pas moi. Toujours est-il que eh bien, c'est parti pour dépenser beaucoup d'argent. Donc vous devez remplir un formulaire dans lequel vous mettez le nombre d'items que vous voulez et la taille quand c'est des vêtements, par exemple. Bon, elle était charmante, très gentille et efficace. Et c'est le moment de dépenser énormément d'argent puisque maintenant que j'ai mon petit reçu de tas, il va falloir payer maintenant. Voilà, ça y est, c'est enfin mon tour. Du coup, je me retrouve à la caisse, c'est bien numéro 25, hein, la dernière, celle que je vous montrais tout à l'heure. Et eh bien, ils vont chercher un petit peu tous les items que j'ai commandés précédemment et me mettre ça dans le sac. Voilà, puisque comme j'ai dépensé plus de 50$, eh bien, j'ai le droit à ce sac, voilà, spécial The International 5, qui me permet de me la péter, hein, concrètement. Bon, c'est aussi pratique parce que voilà, la hanse est grande, du coup tu te fais moins mal aux épaules, voilà, c'est logique. Certains collectionnent ces sacs, ils en ont 5 ou 6. Je suis un petit joueur. Et bien voilà, ça y est, je viens de dépenser 408$, ce qui fait à peu près, je pense, un truc comme 360€, je pense. Et ce qui fait à peu près 300 livres. À peu près. Donc ça fait mal au cul, on dit coucou à l'avion qui est derrière moi, et voilà, ça c'est fait. Alors évidemment, une fois que vous avez dépensé autant d'argent, vous avez envie d'ouvrir très très vite vos cadeaux, et c'est ce que sont en train de faire eh bien, tous ces gens que vous pouvez voir voilà, derrière moi, qui prennent bien sûr leur temps pour ouvrir toutes leurs blind box. Il y en a des tonnes, ils sont tous là, évidemment pour les ouvrir, et ensuite eh bien, les échanger sur les tables que je vous ai montrées précédemment. On va aller se balader, justement là on voit énormément de sacs, on va aller demander à ces gens un petit peu combien d'argent ils ont dépensé. Where do you come from? Australia. Sorry. Australia. Australia. How many dollars did you spend? Me? About like 1500. Oh, I don't know if I want to tell you. $5,000. $5,000. Donc c'est 5000 dollars. Hein. $5000. Why? Why? Honestly. I love Dota stuff. Oh, and all my friends. This is a pretty good reason. Yeah, well, yeah, and all my friends wanted this too, so they didn't come. Okay, so I bought it for them. So they're gonna bring back some money for you. Yeah, of course, nothing free. Bon, désolé pour mon anglais, je ne suis pas un génie, mais toujours est-il que vous avez compris, ils viennent d'Australie, ça fait une petite trotte, et ils ont dépensé pour l'un 1500$ et pour l'autre 5000. Waouh, c'est beaucoup trop d'argent. Moi j'étais en mode, ah, 400, c'est beaucoup quand même. Non, apparemment il y a des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup plus et qui viennent de beaucoup plus loin que moi, puisque bon, je n'ai fait que 11 heures de route, ils en ont fait 13, donc ils viennent de plus loin. Eh oui, c'est normal. Bon, sur ce, il y a plein d'autres choses à vous montrer les amis, alors on va continuer à faire le tour de The International. Ce n'était que le Secret Shop, à demain pour de nouvelles vidéos, ciao.